Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce chucky. Je vous mettrai en description tout le matériel nécessaire pour le réaliser, ainsi que toutes les pelotes, le type de pelote, les tailles de pelote, les crochets qu'il vous faudra, avec toutes les tailles et tout ce qui vous sera nécessaire pour le réaliser. Donc sur ce, une fois que vous serez passé dans la description, on pourra commencer. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Donc, je vais attraper mon fil avec mes deux doigts. Je vais tourner autour de mes deux doigts et repasser, faire une petite croix. Avec mon doigt, je vais tenir le fil. Je passe dans le premier, je vais chercher le deuxième, je le fais passer au-dessus. Et je vais chercher mon fil principal. Et je vais passer dans la boucle. Voilà, et là j'ai mon nœud. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Je vais tirer sur le fil pour fermer mon nœud. Donc je ne le ferme pas jusqu'au bout. Pour que ce soit plus simple d'aller chercher ma première maille qui est ici. Donc vous voyez, c'est le petit V. Et je vais venir faire une augmentation dans cette maille. C'est-à-dire deux mailles serrées dans la même maille. Et donc je vais faire 6 augmentations au total et j'aurai 12 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 12 mailles. Maintenant ce que je vais faire, c'est une maille serrée. Hop. Et dans la prochaine, je fais une augmentation. Je vais répéter ça, donc une maille serrée, une augmentation sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 18 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, je tiendrai 42 mailles. Et le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation et j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours, donc 5 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors maintenant, pour ce rang-là, donc j'ai fini mes rangs de mailles serrées, je vais faire 3 mailles serrées, 2 et 3. Et là, je vais faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 3 augmentations. 1, 2 et 3. Maintenant, tout le reste de mon travail, je vais le faire en mailles serrées, tout simplement. Et à la fin de ce rang, j'aurai 54 mailles. J'ai terminé mes 32 mailles serrées. Maintenant, je vais faire donc 54 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant un rang seulement.
J'ai terminé mon rang de mailles serrées. J'ai fait une maille serrée pour ce début de rang. Je vais faire une deuxième maille serrée. Et là, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc ça, je vais le répéter 3 fois. Donc là, je l'ai fait une fois. Une maille serrée, une augmentation 2 fois. Une maille serrée, une augmentation 3 fois. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de nouveau, je vais faire une maille serrée et une augmentation 3 fois. Voilà, donc 3 fois, et maintenant tout le reste de mon travail, je vais le faire en maille serrée. À la fin de ce rang, j'aurai 60 mailles. J'ai fait mes 32 mailles serrées. Maintenant, donc j'ai obtenu 60 mailles. Ces 60 mailles, je vais les faire en maille serrée sur tout le rang. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc une maille serrée pour commencer mon rang. Et maintenant, je vais répéter 3 fois 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà. Donc ça, je vais le faire 3 fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais répéter 2 mailles serrées et une augmentation. Donc je vais le répéter encore une fois 3 fois. Tout le reste de mon travail, je vais le faire en maille serrée. Et à la fin de ce rang, on aura 66 mailles. Alors maintenant, donc j'ai fait mes 32 dernières mailles. J'ai mes 66 mailles au total. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une diminution. Donc pour les diminutions, vous voyez le V. Donc je vais prendre le brin avant de cette maille-là et le brin avant de la maille suivante. Je fais un jeté sur mon crochet, je passe dans ces deux brins avant, je fais de nouveau un jeté et je passe dans les deux boucles. Donc ça, c'est ce que je vais venir répéter sur tout le rang. 9 mailles serrées, une diminution et à la fin, j'aurai 60 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Et donc ça, je vais le répéter sur tout le rang et à la fin, j'aurai 54 mailles. Le rang suivant, je vais répéter 7 mailles serrées, une diminution, j'aurai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution, j'aurai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'aurai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'aurai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'aurai 24 mailles. Et le tour d'après, 2 mailles serrées, une diminution et j'aurai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon dernier rang de diminution, j'ai mes 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en maille serrée. Donc un rang en maille serrée. Et un deuxième en maille serrée. Donc du coup, on va faire 2 tours en maille serrée. Donc les 18 mailles, on va les faire 2 fois en maille serrée.
j'ai terminé mes deux rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais refaire un rang entier de mailles serrées, mais seulement sur le brin avant. Donc, vous voyez que vous avez les petites V. Et je prends seulement le brin avant et je viens faire ma maille serrée. Donc, je vais faire ça sur tout le rang. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang seulement sur le brin avant. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera deux mailles serrées. Une, deux et une augmentation. Je vais faire ça sur tout le rang et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 30 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Alors, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées et une augmentation. Je vais faire ça sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 42 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3. 4, 5 et 6 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Donc maintenant on va venir faire les jambes. Donc vous voyez que là il y a les joues, donc c'est le devant de mon personnage. Et il va falloir venir, donc mon marqueur est derrière, donc je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à arriver sur le milieu du corps. Donc pour moi, je vais devoir faire 18 mailles, mais si vous n'êtes pas, pardon, si vous n'êtes pas bien au milieu, vous pouvez faire 19 ou 17, vous voyez par rapport à l'endroit où vous vous placez. Donc je vais faire mes 18 mailles serrées pour arriver sur mon milieu. Je vous laisse faire les vôtres et on se retrouve pour commencer la jambe. Voilà, donc j'ai fait mes 18 mailles serrées. J'arrive au milieu de mon travail. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 24 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, donc j'ai fait mes 24 mailles. J'ai oublié de vous dire que je mets donc le marqueur sur ma première maille après les 18. Et maintenant, en fait, la 24e, c'est comme si c'était la dernière maille de notre rang. Et on va retourner dans la première des mailles que nous avons fait. Donc là où il y a le marqueur. Et je viens faire une maille serrée. Voilà. Donc là, on a le début de notre première jambe. Et là, ça sera la deuxième. Et là, en fait, donc ces 24 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 5 tours. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 5 rangs de mailles serrées. Je suis venue ouater un petit peu. Surtout au niveau du cou. Il faut le faire maintenant parce qu'après vous n'arriverez plus à aller jusqu'au fond. Moi j'ai utilisé quand même un peu mon ciseau pour bien ouater. Donc à ce niveau là, pour que la tête ait une bonne tenue, que lorsqu'on le met droit, elle ne tombe pas ou elle ne bouge pas trop. Voilà. Et maintenant ce que nous allons faire... C'est 2 mailles serrées, une diminution
Donc une, deux et une diminution. Je vais faire ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 18 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 18 mailles serrées et on se retrouve après. J'ai terminé mes 5 rangs de mailles serrées. Maintenant, donc on va entamer le pied. Pour ça, j'ai fait déjà une maille serrée. Et je vais venir faire 6 augmentations. Donc 1, 2, 3. Maintenant, je vais venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et 3 diminutions. 1, 2 et 3. Et on finit par 2 mailles serrées. Oups. Et 2. Maintenant, j'ai 21 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Donc, j'ai fait une maille serrée. Et je vais faire une augmentation. Donc, je vais répéter ça 6 fois. Une maille serrée, une augmentation. Donc là, je le fais une fois. Deux fois. Trois fois. Maintenant, je vais venir faire deux mailles serrées. Une. 2 et 3 diminutions. 1, 2 et 3. Et pour finir, je ferai une maille serrée. À la fin de ce rang, j'aurai 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 19 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je vais faire 2 diminutions. Donc, 1, oh, loupé. 1, et 2. Et il ne me restera plus qu'à faire une maille serrée. Au total, j'aurai 22 mailles. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est 17 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Donc 17 et 18, pardon, 18 mailles serrées. Et 2 diminutions. À la fin, on n'aura plus que 20 mailles sur ce rang. Pour ce rang, maintenant, on va commencer direct par une diminution, puis 16 mailles serrées, 1 et 16, et une diminution. À la fin de ce rang, vous aurez 18 mailles. Pardon. Alors évidemment, je viens ouater petit à petit mon pied. Maintenant, pour ce rang-là, je vais faire donc une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 12 mailles. Maintenant, vous allez bien ouater votre pied parce que ça va être le dernier tour.
Voilà, donc une fois que c'est fait, pour le dernier rang, vous allez faire 6 diminutions. Il faut réussir à attraper les mailles. Voilà. Donc 6 diminutions. Et à la fin, on aura 6 mailles. J'ai terminé mon tour. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Voilà, donc 6. Et maintenant, je vais bien serrer pour regrouper toutes les mailles. Faire un petit nœud. Et je vais perdre le fil donc dans la jambe. Et voilà, du coup, c'est bien fermé. Maintenant, on va faire la deuxième jambe. Pour ça, je vais faire un nœud sur mon crochet. Donc, je vais prendre le fil, je vais entourer mes deux doigts, je vais faire une croix, comme pour un cercle magique. Sauf que quand je vais venir chercher le fil ici, je vais lâcher le reste et je vais tirer. Et donc, j'ai un nœud sur mon crochet. Et ici, donc, je vais venir me raccrocher à une maille. Je vais faire voilà, comme une maille serrée. Et en fait, ce qu'on vient de faire pour cette jambe, on va refaire exactement la même chose. Donc, on aura le même nombre de mailles au départ, nos 24 mailles. Et voilà, et donc je vais refaire exactement la même chose. Alors maintenant, je vais faire le bras. Donc pour ça, je fais hop, un cercle magique. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Une. Deux. 3, 4, 5 et 6. Je serre un peu. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, j'aurai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 12 mailles. Et le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 15 mailles. Et ensuite, ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 15 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2 et 3. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 13 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 13 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais venir ouater l'intérieur du bras. Couper mon fil, garder du fil pour la couture. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire les petits doigts que moi j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de les faire juste le bras comme ça. Donc si vous voulez le faire simple, ça suffit, ça sera pas, ça sera joli aussi. Moi, comme c'est une commande, donc je l'ai fait. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc pour les faire, je fais un nœud sur mon crochet. Je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, je vais sauter la première, aller dans la deuxième, je vais faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, je fais une maille en l'air, je retourne mon travail, je recommence, je fais 3 mailles serrées dans les 3 mailles qui viennent. 1,
2 et 3. Et là, c'est le moment un peu plus compliqué. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais prendre en fait, donc je vais me rapprocher, je vais prendre en fait ma maille qui vient, plus l'autre côté de des mailles en l'air. Je vais passer dans le tout et je fais une maille coulée. Je vais faire ça dans les deux autres mailles. Et dans la dernière, donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc là, nous avons un doigt. Moi, j'en ai fait évidemment 5 par main, donc j'en ai fait 6. Et après, il faudra faire donc les coutures. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise avec les coutures, si vous n'avez pas envie ou vous avez peur que ça rende pas bien, ne le faites pas. Juste une main comme ça, moi je trouve ça déjà très joli et ça le fait aussi. Alors pour la couture du bras, je prends les mailles du bras et je pique là où mon fil ressort. Et je sors de l'autre côté. Je couds tout le bras comme ça. Donc à 1, 2, 3 rangs de la tête. Et sur, donc le premier rang est là, 1, 2, 3 rangs. Je le couds comme ça assez serré au niveau du bras et pas en ovale ou en rond pour pouvoir ensuite venir le plaquer contre le corps. Comme c'est une poupée qui sera en déco pour adultes, j'ai pas forcément besoin qu'il soit mobile. Donc j'ai terminé la couture et comme de l'autre côté, vous voyez, j'ai gardé le fil en fait tout simplement pour que quand j'ai fini le pull, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va venir en décoration. Donc je vais lui donner une forme, je vais mettre en place les bras et je vais les coudre en fait avec ce fil, donc par-dessus le pull. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser donc ce pull au point tunisien. Si vous ne vous sentez pas de faire ce point-là, vous pouvez le faire en fait en maille serrée tout simplement en aller-retour avec le même nombre de mailles en l'air. Donc on va faire cette pièce-là en deux fois et cette pièce-là en deux fois aussi. Donc là, ça sera la manche et là sera le pull. Donc pour commencer, je prends mon fil de couleur bleu foncé. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Donc mon crochet comme ceci, 3,5. Donc ça sera plus simple pour le point qu'on veut faire. Je serre bien. Et là, je vais monter 25 mailles en l'air. Donc 1, 2, 4, 5, 6 et donc 25. Donc voyez comment est votre maille chaînette. Et là, vous avez votre première, donc en partant du crochet. Dans la deuxième, vous venez, vous piquez et vous ramenez le fil. Vous faites ça sur toutes les mailles en l'air que vous venez de faire. Et vous les gardez toutes sur votre crochet. J'ai terminé de récupérer toutes mes boucles, donc au total j'en ai 25. C'est important de les compter pour être sûr de pas oublier en fait une maille. Ensuite ici je fais faire un jeté sur mon crochet et je vais passer dans la première boucle. Je refais un jeté et là je vais passer deux par deux jusqu'à la fin. Donc un jeté dans les deux boucles qui viennent.
un jeté dans les deux boucles qui viennent. Et je vais faire ça jusqu'à la fin de mon rang. Et donc mes deux dernières, voilà. Maintenant donc, vous voyez que ici ça nous fait des traits. Là, 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 là. Dans ces traits, vous voyez qu'il y a ici deux fils, donc un à l'arrière, un au milieu. Vous passez entre ces deux traits et sur l'arrière. Et vous allez chercher votre fil. Et vous le gardez. Et vous faites ça à chaque fois. Donc vous passez dans, entre en fait les deux fils. Et donc vous faites ça à chaque fois. Et à la fin, vous avez toujours 25 boucles sur votre crochet. Donc voilà, j'ai pris les derniers. J'ai 24 boucles pour l'instant. Et donc le dernier, donc vous voyez qu'il y a juste un trait. Et bien vous passez dans les deux comme ça. Voilà. Alors si vous ne voyez pas très bien, pas de souci, je vais refaire la même chose mais avec le vert clair. Et du coup, je pense que vous verrez beaucoup mieux. Donc voilà, au total, on a 25 mailles sur notre crochet, 25 boucles. Et on va refaire la même chose donc, mais avec le vert, on va changer de couleur. Donc vous prenez votre vert, on le fait passer dans le premier. Là, moi, je vais venir faire un petit nœud de sécurité. Et je vais couper mon fil pour pas qu'il vienne m'embêter. Voilà. Et donc je vais passer comme on a fait pour le rang d'avant, dans deux mailles par deux mailles. Donc on a passé la première et là on va passer dans deux boucles par deux boucles. Et donc mes deux dernières boucles. Et donc là, je vais vous remontrer un peu mieux. Donc vous avez ici votre trou, vous passez dedans et vous ramenez. Donc vous voyez, c'est ces traits là. On passe dedans, on ramène. Et donc à la fin, vous voyez donc ces deux petits traits ici. Et bien vous passez dans les deux. C'est la dernière maille. Voilà. Et on recommence. Donc on passe une. Et puis deux par deux. J'ai terminé le rang. Maintenant, je vais vous montrer une dernière fois parce que là, avec le vert, je pense qu'on voit un peu mieux. Donc, vous voyez les deux traits ici. Donc là, il y a le trait là. Moi, je passe à l'intérieur. Et c'est ce qui va donner cet effet de tricoté et pas de maille serrée comme on fait d'habitude au crochet. Et maintenant, à ce niveau-là, je change de couleur. Donc, je vais faire à chaque fois le même processus, les mêmes rangs et les mêmes moments où je change en fait de couleur pour que ce soit régulier, que les bandes soient régulières. Et donc après, vous n'avez plus qu'à répéter les séquences que l'on vient de faire en changeant de couleur à chaque fois. Donc
Ici, je fais bleu foncé, vert clair, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert clair, rouge. Voilà. Alors, pour ceux qui le font en maille serrée et pas au point tunisien, donc je vais vous montrer combien ça fait au total. Donc, à la fin de ces rangs-là, je viens faire ici un rang en bride en relief. Donc, une bride en avant, une bride en arrière. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça viendra en fait dans le pantalon. Mais comme moi, c'est une commande et que je veux qu'il soit le plus réaliste possible, je fais ce rang. Alors, il mesure 7,5. Et pour les bras, pareil, un peu plus, 8. Pour les bras, j'ai fait la même chose que pour le haut, sauf que j'ai fait 15 mailles en l'air. Donc voilà, après c'est le même processus, je fais le même changement de couleur, les mêmes rangs, sauf que là il y a 15 mailles. Maintenant je vais faire le pantalon, donc on va commencer par la jambe. Et pour ça on va faire un nœud sur notre crochet. Et on va faire 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, donc 22 mailles. Là, je prends mon travail et je vais venir prendre l'autre bout, donc la première maille en l'air que nous avons fait ici. Je vais faire une maille coulée. Et je vais continuer en maille serrée. Donc sur toutes mes mailles en l'air. Et 21 mailles serrées. Donc là j'ai la maille coulée, je la saute, je vais directement venir dans ma première maille serrée. Vous voyez, elle est là, hop, je passe et je reviens ici. Et donc ça sera le début de mon rang à chaque fois. Donc si vous voulez mettre un marqueur, c'est ici. Et alors vous voyez que ici ça se voit en fait. Il y a comme un petit escalier. Mais c'est pas très grave parce qu'après en fait on va mettre le bord et on va le coudre directement ici. Donc au final ça se verra plus du tout. Et donc je vais venir faire des mailles serrées. Donc 21 mailles serrées au total. Donc voilà, 21 mailles en mailles serrées sur 11 rangs. Donc là, on vient d'en faire un. Donc c'était notre premier en mailles serrées. Donc il ne nous reste plus qu'à en faire 10. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Et maintenant, donc pour fermer, pour arrêter mon travail, je fais une maille coulée. Je vais... pas laisser de fil parce que je ne vais pas faire de couture. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais refaire la même chose. J'ai réalisé ma deuxième jambe, donc pour le pantalon, mais je n'ai pas coupé. Là, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Je vais prendre ma première jambe. Et je vais venir dans ma crochet n'importe où et faire une maille serrée. Là, je vais faire donc les 20 autres mailles en maille serrée. J'ai fait donc mes 20 mailles serrées. Et maintenant, je vais passer dans mes mailles en l'air. Et comme j'en ai fait 3, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais continuer donc sur les mailles de ma deuxième jambe.
Au total, je ferai 21 mailles serrées. J'ai donc terminé mes 21 mailles serrées. J'ai donc fait un tour. Et j'ai 45 mailles au total. Sans compter donc ces mailles en l'air. J'ai fait 45 mailles serrées au total sur tout le rang. Maintenant, pour ce rang-là, donc on va venir prendre l'autre côté de nos mailles en l'air. Donc vous voyez, là, ça fait des petits traits. C'est ici qu'on va venir travailler. Donc on va faire 3 mailles serrées sur ces mailles-là. Voilà. Et maintenant, on va retourner sur nos mailles serrées de la jambe. Et au total, on va faire 45 mailles serrées. J'ai terminé mon tour. Maintenant, j'ai donc 48 mailles. Et en fait, ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Donc, je vais faire 7 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai fini mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais faire donc juste le devant du pantalon, de la salopette. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. Donc, je m'arrête à là, à peu près. Je fais une maille en l'air, je vais tourner mon travail et je vais reprendre les mailles donc ici. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je vais faire 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, donc 16. Et la dernière, je vais faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je retourne mon travail, je vais sauter ma maille coulée et je vais venir faire 15 mailles serrées. À la fin des 15 mailles serrées, il me restera une maille. Je ferai une maille coulée, une maille en l'air. Je retournerai mon travail et je recommencerai 14 mailles serrées. 14 mailles serrées donc et une maille coulée. Une maille en l'air. Je retourne mon travail. Je vais sauter la maille coulée. Je vais faire 13 mailles serrées. Sur la dernière maille, je ferai une maille coulée, puis je ferai une maille en l'air, je sauterai ma maille coulée et je ferai 12 mailles serrées. Et 12 mailles serrées, une maille coulée, je fais une maille en l'air, je vais venir faire, donc je vais sauter la maille coulée toujours, je vais venir faire 11 mailles serrées. Et sur la dernière maille, je ferai une maille coulée. Donc j'ai fait ma maille coulée, j'ai fait ma maille en l'air, je vais sauter ma maille coulée. Et là je vais venir faire 10 mailles serrées et ça sera notre dernier tour. J'ai terminé mes mailles serrées, maintenant je vais faire une maille coulée. Et là je vais venir faire 20 mailles en l'air. 2, 3, 4,
5, 6. Donc 20 mailles en l'air. Maintenant, donc je le mets bien droit. Et là, je vais venir tout simplement, vous voyez, dans l'alignement du pantalon, enfin de la jambe, je vais venir dans la maille juste au-dessus. Et je vais faire une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Et ici, dans mes mailles en l'air, je vais faire des mailles serrées. Donc au total, je ferai 20 mailles serrées. J'ai terminé mes 20 mailles serrées, j'arrive ici. Dans ma maille coulée, je refais une maille coulée. Et là, je vais faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la dernière maille, donc de ce rang-là, de devant. Voilà, donc j'ai fait des mailles coulées jusqu'à arriver à la fin et je refais 20 mailles serrées, 20 mailles en l'air, pardon. Et donc maintenant, je vais venir faire une maille coulée, donc pareil dans le prolongement. Et donc je vais mettre 1, 2, 3 dans la quatrième, donc 3 mailles entre les deux manches. Je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et je viens faire des mailles serrées sur les mailles en l'air, donc au total 20 mailles serrées. 20 mailles serrées et maintenant je retourne dans la maille coulée que j'avais fait, donc elle est un petit peu difficile à passer, et je refais une maille coulée. Maintenant je peux couper mon fil, pas besoin d'en garder beaucoup, il n'y aura pas de couture. Et voilà, c'est fini. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le bord de notre pantalon, donc la fin. Pour ça, je vais prendre d'abord mon fil bleu foncé. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais sauter la première maille, aller dans la deuxième et faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air, je vais tourner mon travail et je vais refaire 3 mailles serrées. 2 et 3. Là, je vais changer de couleur. Donc, pour changer de couleur, au lieu de faire une maille en l'air avec mon bleu foncé, je vais tout simplement passer mon vert dans ma maille, ce qui va équivaut à une maille en l'air. Ici, je vais faire mon petit nœud de sécurité. Donc, voilà, j'ai fait mon nœud. Je vais tourner mon travail et je vais recommencer 3 mailles serrées. Donc par couleur, je réalise 2 rangs à chaque fois. Une maille en l'air, de nouveau 3 mailles serrées. Et là, je rechange de couleur, je viens prendre mon rouge. Donc voilà les séquences qu'il faut réaliser. Donc bleu foncé, vert, rouge, bleu clair. Et cette séquence, je l'ai réalisée 1, 2, 3 et 4 fois pour pouvoir faire le tour de mon pantalon.
J'ai terminé les deux parties, donc ici je suis déjà venue le coudre. Pour la couture, donc vous voyez, j'ai déjà caché mes fils, j'ai coupé et je viendrai recouper plus court une fois que j'aurai fini de coudre. Donc ici, j'ai fait donc au final une maille en l'air, j'ai gardé du fil, j'ai coupé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mailles en l'air qu'on a fait au départ, donc l'autre côté de notre chaînette, et je vais mettre maille par maille ensemble. Donc je vais prendre là, donc vous voyez le petit V de ma maille, je vais prendre juste le brin extérieur et je vais repasser dans la prochaine maille. Donc pareil, le brin extérieur et le dernier, je repasse dans la dernière. Voilà pour la couture, pour mettre les deux bouts ensemble. Donc ensuite je vais venir le placer au bord et je vais venir coudre en fait tout le bord ici. Donc ici vous voyez que j'ai fait une couture assez invisible, donc on ne voit pas le fil bleu parce que je suis tout simplement passée dans les mailles à l'intérieur. Donc ici ça serait plutôt voilà dans les mailles ici, vous voyez, dès que je voyais un petit fil comme ça ou par exemple sur le verre. Ici, vous voyez. Donc j'ai vraiment essayé de faire le plus discret possible. Et ensuite, je suis venue seulement dans les parties bleues faire 2-3 points pour que, vous voyez, ça tienne quand même en place. Donc pour les coutures du pull, c'est très simple. Je prends mon fil rouge que j'ai laissé. Je suis venue coudre jusqu'ici. Ensuite, j'ai cousu jusque-là. Et donc pour les coutures, je prends, donc vous voyez que ça fait un petit V, je prends celui de derrière et de l'autre côté celui de derrière également et je les couds ensemble. Donc voilà, je fais ça tout le long. Et à la fin, donc comme j'arrive au bleu foncé, donc le dernier, je viens prendre mon crochet et je vais faire en fait des mailles serrées tout le bord. Donc je vais essayer de prendre vraiment, donc je pense pas que vous voyez bien bien, mais moi aussi je vois pas très très bien. Je prends en fait je fais une maille en l'air, j'essaie de prendre en fait les brins de la chaînette de départ de ma manche et je vais venir faire en fait des mailles serrées tout le long. À la fin je ferai, quand j'arriverai ici, je ferai une maille coulée dans la maille en l'air et je couperai le fil, je viendrai le cacher. Donc vous voyez ici c'est ce que j'ai fait et avec mon fil bleu que j'avais gardé pour la manche, donc il était ici, je suis venue coudre de la même façon tout le tour et l'épaule aussi. Donc pareil, de la même façon. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc ici pour le col, vous voyez que c'est un petit peu large. Donc ce que moi je vais faire, c'est un col en rouge comme pour le bord des bras et le bas. Donc je vais faire tout simplement un nœud sur mon crochet. Et je vais venir prendre donc vers ici et faire une maille en l'air. Voilà, et du coup tout le long je vais faire des mailles serrées en essayant de bien serrer.
Maintenant, je vais vous montrer comment faire donc les cheveux. C'est simple, j'ai pris de la laine de la couleur que je voulais. Donc là, c'est couleur un peu rouille. Je sais pas si on voit bien la couleur sur la caméra, ça fait pas rouge, mais c'est plutôt orange rouille. Et ensuite, avec donc hop, voilà, je les ai attachés en pack de 5. Je les ai coiffés avec une brosse comme ça. Donc, je les ai coiffés pendant un petit moment. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Une fois que j'enlève le nœud, je les ai coupés à la taille que je voulais. Donc, vous voyez que là, c'est un peu trop grand. Donc, je les ai coupés en deux. Je prends mon petit bout. J'ai pris mon crochet. Et donc ici, pour le premier rang, vous voyez que j'ai fait une maille sur deux. Donc vous voyez que là, j'ai pris un trou, là il y a une maille, un trou, là il y a une maille. Voilà, donc je fais à chaque fois un sur deux. Et quand je vais faire le rang d'au-dessus, je vais mettre en fait entre les deux mèches. Donc ici, je vais le mettre ici. Je viens prendre ma maille dans mon crochet. Je prends mon petit cheveu. Je le fais passer de l'autre côté, je tire un peu pour avoir une boucle. Je prends tous mes petits cheveux et je le fais passer dans la boucle. Là, je tire. Et du coup, j'ai un nœud assez solide qui va maintenir tous les petits cheveux ensemble. Donc évidemment, là, c'est toujours un peu trop grand, mais vaut mieux prendre un peu trop grand que trop petit. Et ensuite, avec le ciseau, je vais venir couper à la taille que je souhaite. Donc il faut, très important, ce qu'il faut se dire, c'est que là, par exemple, je prends mon cheveu, il arrive ici. Mais lorsque je vais le mettre au-dessus, évidemment, ça sera plus court. Donc il faut le prendre en compte et prendre la bonne taille. Donc là, j'ai pris des cheveux, donc je vais vous le mesurer pour vous montrer quelle taille j'ai pris à la base. J'ai pris grand pour pouvoir être sûre d'avoir toutes les tailles qui me conviennent. Donc ici, j'ai pris à peu près 35 cm. Donc j'ai fait 35 cm de petits paquets de cheveux que je suis venue coudre. Et ensuite, je les coupe à la taille que je veux. Donc là, vous voyez qu'il est quand même grand. Même si je le plie en deux, je le mets au-dessus, ça fait quand même toujours très grand. Donc après, c'est à vous de voir la taille que vous voulez. Voilà, donc je vous laisse faire tous vos petits cheveux, les mettre donc en alternant le trou et la maille jusqu'en haut, jusqu'à ce que vous ayez le tas que vous voulez et la coupe que vous voulez. Alors, maintenant je vais vous montrer donc ici. Voilà, donc j'ai fait à chaque fois la même chose en bien séparant, mettant entre les trous, vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer parce que ce personnage a une raie au milieu, enfin même pas au milieu, c'est plus sur le côté. Donc, on va commencer à faire des rangs comme ça pour donner un mouvement en fait à la coiffure. Mais pour le haut, comme ça sera une raie au milieu et que eh bien on va séparer les cheveux, donc on va voir un peu le crâne, je vais bien les serrer jusqu'au bout. Et de l'autre côté, je ferai exactement la même chose. Et ensuite, j'ai séparé. Donc plus on va monter vers le haut et plus on va les serrer. Parce que ici, donc vous voyez qu'à chaque fois, ça va venir couche par couche. Et du coup, on ne voit plus du tout les trous, alors qu'en réalité, il y en a pas mal. Et du coup, quand on va monter, eh bien, on verra de plus en plus les trous. Donc, on va de plus en plus serrer. Donc ici, je vais bien, bien serrer jusqu'au bout, là. Et ensuite, donc, je viendrai enlever cette mèche et je viendrai faire les autres rangs, comme ça. Alors, pour l'œil, je prends mon fil noir. Je viens faire un cercle magique
avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle. Je vais dans la première maille. Je fais un jeté, je ramène et là, je ne finis pas. Je prends mon fil de couleur. Il est où ? Voilà, donc de couleur bleu ciel. Je prends mon fil bleu ciel et je le passe dans mes deux boucles sur mon crochet. Je viens faire un nœud. Je vais couper mon fil noir, donc j'essaie de le couper pas trop long. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est sur les 6 mailles que j'ai, je vais faire que des mailles coulées. Donc au total, je ferai 6 mailles coulées. J'ai terminé mon rang. Donc maintenant, je vais piquer, donc vous voyez, la maille coulée. Je vais prendre le brin arrière. Et là, je vais prendre mon fil de couleur blanc. Et je vais passer du coup dans mon arrière et dans ma boucle. Je viens faire un nœud. Voilà. Je vais couper mon fil bleu. Et là maintenant, je vais faire deux mailles en l'air dans la même maille où j'ai fait ma première, donc maille coulée. Je refais une maille coulée. Et là, je vais faire 4 autres mailles coulées. Donc là, on en a fait une. Je vais faire 4 autres mailles coulées, mais seulement sur les brins arrière. 1, 2, 3. Et 4. Je refais une maille en l'air. Je refais une maille coulée dans la même maille. Et je finis mes 1, 2, 3 mailles qui me restent en maille coulée de la même façon, donc seulement sur le brin arrière. 1, 2 et 3. Ici, je vais venir sur ma première maille en l'air et je vais faire de nouveau une maille coulée. J'ai terminé mon rang. Je vais couper mon fil en gardant de la longueur. J'en refais un deuxième et on va passer à la couture. Maintenant, je vais faire donc la paupière. Pour ça, je vais reprendre mon beige. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter une maille, je vais aller dans la deuxième et je vais faire 3 mailles serrées, 2, 3, et dans la dernière maille, je vais faire une maille coulée. Je vais faire ça une deuxième fois pour la paupière du bas et je vais le coudre. Alors, pour les coutures, donc j'ai fait un côté avec une paupière, l'autre côté sans. L'effet un peu cassé, j'ai mis du noir avant de venir coudre mon œil.
Et donc, je l'ai cousu vraiment donc sur les brins arrière des mailles en l'air. Et donc, entre les deux yeux, j'ai mis 1, 2, 3 mailles. Voilà. Je suis venue coudre donc tout au bord la paupière, côté maille en l'air de ce côté-là. Et j'ai fait, donc avec le blanc qui me restait du fil à coudre, j'ai fait un petit éclat ici. Et je suis venue faire des allers-retours entre le milieu de l'œil et le derrière de la tête pour faire un effet plus enfoncé. Avec ce qui me restait de fil pour faire les paupières, je suis venue faire deux petits traits ici pour venir accentuer le nez. Donc il ne me restera plus qu'à faire plusieurs allers-retours pour réaliser le nez. Et ici, j'ai fait plusieurs allers-retours entre ces deux points sans passer le fil, hein, juste d'un côté, je ressors de là, je rentre dans ce point, je ressors de là pour donner la profondeur du sourire. J'ai passé quelques fils ici pour savoir où je ferai le sourire. Bien évidemment, je vais venir mettre un fil noir ou repasser encore plusieurs fois pour faire accentuer plus la bouche. Alors, j'ai terminé les petites cicatrices. Donc, j'en ai fait une ici, une en deux coups, comme ça, une ici, une en une fois, une ici, et après, j'ai fait quelques points comme ça. J'ai fait le nez, j'en ai fait une ici, et une dernière là. J'ai fait également les sourcils. Donc, vous voyez, il avait des petits traits beige. Et ici, les traits qu'il avait en fait sur le visage. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire la chaussure. Donc, je fais un nœud sur mon crochet, 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, donc, je vais sauter la première maille en partant du crochet. Et dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Et je vais continuer comme ça en maille serrée. Et au total, je ferai 6 mailles serrées. Donc, 2... 6, et dans la prochaine maille, je vais faire 4 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais passer sur l'autre côté de ma mes mailles chaînettes et je vais faire de nouveau 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, donc ce nouveau rang, je vais retourner donc dans ma première maille serrée et je vais faire une augmentation. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et 5. Et maintenant, je vais faire 4 augmentations. Donc, une augmentation dans la prochaine. Une deuxième augmentation dans la suivante. Une troisième augmentation et dans la dernière, une quatrième. Et de nouveau, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2,
3, 4 et 5. Et dans la dernière maille de mon rang, je vais faire une augmentation. À la fin de ce rang, j'aurai 22 mailles. Pour ce nouveau rang, on va commencer par une augmentation. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans celle-ci, je vais faire une augmentation. Dans la prochaine, je fais une maille serrée. Dans la suivante, je refais une augmentation. Dans la prochaine, je refais une maille serrée. De nouveau, une augmentation. Puis, une maille serrée. Et une dernière augmentation. Et maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour la dernière maille, je fais une augmentation. Au total, maintenant, sur ce rang, j'ai 28 mailles. Pour ce rang, donc ces 28 mailles, on va les faire en mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Donc vous voyez, là j'ai le brin avant, on va aller dans le brin arrière et on va faire 28 mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière et seulement pour ce rang là. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé le rang de mailles serrées sur un seul brin. Là, je reprends mon fil, hop, et je vais faire dans la prochaine donc une maille coulée et je vais couper mon fil, donc pas besoin de couper très long. Voilà, et maintenant donc vous allez prendre votre travail de plier, donc vous voyez que mon début de rang est ici. On va aller sur l'autre côté. On va plier sur bien le milieu, vous voyez. Et à partir de là, je compte 4 mailles d'un côté et 4 mailles de l'autre. Je mets un marqueur à chaque quatrième de maille. Maintenant, je prends mon fil rouge. Je fais un nœud sur mon marqueur. Sur mon crochet. Je prends... Donc ma semelle, je viens juste après mon marqueur, dans la maille juste après mon marqueur ici. Vous voyez le marqueur est là, moi je prends la maille juste après. Je vais chercher mon fil et je fais une maille coulée. Dans ce même, dans cette même maille, je vais refaire une maille serrée. Et ensuite, je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive devant mon marqueur. J'ai terminé, donc je suis venue faire ma dernière maille juste avant mon marqueur. Au total, j'ai fait 21 mailles serrées. Maintenant, pour ce rang, ce que je vais faire, c'est deux mailles en l'air. Donc la première qui équivaut à une maille et la deuxième pour sauter en fait une maille. Donc celle-ci, je la fais pas parce qu'on a fait notre maille en l'air. Et celle-là, je la fais pas non plus parce qu'on a fait notre deuxième maille en l'air. Donc je vis dans la troisième maille et je vais faire une maille serrée. Donc vous voyez que vous avez un petit trou qui servira en fait à mettre notre lacet. Maintenant, je vais faire des mailles serrées et au total, je ferai 15 mailles serrées. Donc 15,
16 et 17 mailles serrées. Là, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais sauter 7 mailles et je vais venir dans la prochaine. Donc elle est un petit peu difficile parce que c'est la première maille qu'on a fait. Voilà, et je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je saute donc ma première maille serrée et je viens directement dans le trou et je fais 2 mailles coulées. Maintenant, je vais venir dans mes mailles serrées et je vais les refaire en mailles serrées, donc 17 mailles serrées. J'arrive à la fin, donc là j'ai mon premier trou pour le lacet. Je viens faire 2 mailles en l'air. Je saute donc ma première maille serrée, la deuxième, et dans la troisième, je viens faire une maille serrée. Maintenant, je vais continuer donc en maille serrée et au total, je ferai 13 mailles serrées. Il me reste donc les deux mailles, donc il me reste sur ce rang, et après, il y a le trou. Et donc là, je vais faire 2 mailles en l'air. J'en saute une, dans la deuxième, je viens faire une maille serrée. Je fais une maille en l'air et je refais 2 mailles coulées. Donc maintenant j'arrive aux mailles. Je vais faire 13 mailles serrées. 2, 3, 4. Et 13. Et maintenant, dans les mailles coulées que l'on a fait juste avant, dans les mailles en l'air, pardon, que l'on a fait juste avant, dans le trou, on va faire 2 mailles coulées. Une. Et deux. Et maintenant, vous pouvez couper votre fil. Maintenant, je vais reprendre mon fil rouge. Je vais faire un cercle magique. Je vais faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. Je serre mon cercle. Maintenant, en fait, je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Vous pouvez bien fermer votre cercle pour qu'il n'y ait pas de trou. Maintenant, je vais refaire une maille en l'air. Maintenant, sur ce tour, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. J'obtiens du coup pour ce rang 9 mailles. Maintenant, je vais refaire une maille en l'air. Et ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Et à la fin de ce tour, on aura 12 mailles. Maintenant, pour ce rang-là, je vais faire donc, comme à chaque début de rang, une maille en l'air, je tourne, je commence par une augmentation, puis je vais faire 10 mailles serrées, et dans la dernière maille, je ferai une augmentation, et j'obtiendrai 14 mailles. Maintenant qu'on est là, donc on ne va pas faire notre maille en l'air, on ne va pas retourner le travail. On va venir travailler sur ce bord-là. Donc on va faire des mailles serrées sur tout le bord.
Au total, j'obtiens 9 mailles. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et je vais travailler en aller-retour ces 9 mailles. Je vais toutes les faire en mailles serrées sur 3 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. J'ai fait une maille en l'air. J'ai tourné mon travail. Maintenant, je vais sauter ma première maille. Je vais aller dans la deuxième. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Et dans la dernière, on fait une maille coulée. Maintenant, vous pouvez faire une maille en l'air. On va garder du fil pour la couture et on va couper. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les lacets. Donc, c'est simple, on va faire un nœud sur notre crochet. Et je vais faire que des mailles en l'air. Au total, je ferai 50 mailles en l'air. Après, si vous voulez en faire plus pour avoir une plus grande longueur, vous pouvez. Si vous préférez faire plus petit, vous pouvez en enlever. Moi, pour moi, 50... c'était l'idéal, donc je vais faire mes 50 mailles en l'air et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai mes 50 mailles en l'air. Voilà ce que ça donne, c'est quand même assez grand. Là, je vais couper le fil, donc je le coupe pas trop court, mais pas trop long non plus. Vous verrez à la fin pourquoi. Je tire. Et je serre bien. Et voilà, on a notre lacet. Donc, pour la couture, donc j'ai pris mon fil, je l'ai ramené jusqu'au bout. Et là, je suis venue planter avant, en fait, ma première maille blanche. Donc, juste avant, j'ai passé mon fil. Maintenant, je vais dans la première. Et en fait, on va prendre maille par maille. Donc, on va les prendre ensemble. Une couture... simple. Et donc on va coudre comme ça tout le long jusqu'à arriver donc à cette maille là, pas la première maille blanche, juste après. Donc la couture est terminée, il reste plus qu'à faire un nœud. Et à passer donc notre lacet dans les petits trous que l'on a fait. Alors, quand on est là, qu'on a mis la chaussure au pied de Chucky et qu'on a fait notre petit lacet, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon lacet avec les nœuds. J'ai essayé de faire en sorte que les petits fils de mes mailles coulées soit vraiment au bord du nœud, et ensuite pour plus de sécurité et pour que le nœud ne bouge pas, je suis venue attacher avec mes deux petits fils et j'ai fait deux petits nœuds comme ça, et ensuite je suis venue cacher le fil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'oubliez surtout pas la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles pour pouvoir aller voir mes autres créations et d'autres photos de ce petit Chucky. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.